sur l'emploi, sur la protection sociale, sur le logement, sur une autre approche de l'Europe. Pardonnez-nous, Laurent Fabius. Mais... Réaction donc à ce résultat aussi, ce soir. On est désolé. Oui. On attendait ça avec impatience. C'est très bien qu'il soit revenu de Suisse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je suis vraiment heureux. Comment ça se passe à l'intérieur là? Vous êtes avec lui depuis tout à l'heure? Oui, mais à l'intérieur ça battait fort. Pour moi, pour Jean, pour lui, mais j'ai rien fait. Avec lui tout à l'heure, il tiendra parole. C'est un homme d'honneur. C'est un homme qui aime sa famille, c'est un homme qui aime ses amis, un homme qui aime tout ça ne peut pas trahir son pays. Comment ça se passe à l'intérieur du Fouquet's actuellement? Vous dînez tous ensemble? Non, on n'a pas dîné, on a discuté. Vous savez, là, il est prêt pour partir. Nouveau président de la République. Il faut quand même se dire que c'est notre nouveau président de la République. Moi, je dirais, vive Nicolas Sarkozy, vive la France. Vous allez chanter ce soir, Johnny, ou pas? Non, je ne peux pas, je n'ai pas de musicien. Moi, ils sont à Los Angeles, c'est un peu loin pour les ramener. Mais je suis de tout cœur avec eux. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Le premier mot que vous lui avez dit, c'était quoi? Je suis heureux pour toi. Johnny, est-ce que Nicolas Sarkozy a la rock'n'roll attitude? Oh, bon. Écoutez, c'est un bon. Voilà, alors, c'était Johnny Hallyday, que vous avez entendu, qu'il sortait juste du restaurant du Fouquet's où il a passé une heure environ avec Nicolas Sarkozy, ainsi que de nombreuses autres personnalités qui se trouvent aussi encore à l'intérieur de ce restaurant. Mais pour l'instant, pas de signe de Nicolas Sarkozy lui-même, même si sa sortie ne devrait pas trop tarder maintenant. Ça semble en tant qu'aimé. Non, alors on avait ce débat, il faut quand même le poursuivre, oui, évidemment. C'est très intéressant d'entendre M. Hallyday développer sa conception de la citoyenté française. C'est la loi du genre, genre de soirée. C'est un grand artiste quand même. Oui, vous avez le droit de voir faire de la polémique politique, mais dites aussi que c'est un immense artiste. Tout à fait. Voilà. Mais bon, nous n'avons pas les mêmes conceptions de la fiscalité. D'accord. C'est un immense artiste. Oui, oui, très bien. Ensemble, que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent. Donnez-nous 1000 ans.